me donner des droits. Par contre, je suis d'accord avec vous qu'il y a des doublons sur la prise en charge des personnes vulnérables. Il y a des doublons pourquoi? Nous avons demandé aux agences humanitaires de ne plus faire des recensements. Il y a seulement le CONASU qui a le fichier unique sur tous les bandits du territoire qui doit prendre sur chaque agence qui doit travailler, bien prendre les données au CONASU, travailler sur le secteur. Comme ça, nous voyons la fiabilité du fichier où l'opération a été faite. Et s'il y a une autre personne qui vient pour cette opération, elle dit, n'allez pas là-bas, allez à autre endroit. Mais non, chacun va aller au même endroit et parfois ils vont eux-mêmes les ciblages. Le doublon. Et ça encore, ça ramène, ça met en mal la cohésion sociale, puisque ce sont les mêmes qui ont les vides et d'autres sont là, ils n'en ont rien. Et je leur dis, et je pense que nous avons un peu amélioré cela, nous allons continuer à l'améliorer, parce qu'aujourd'hui, les recensements au niveau des personnes vulnérables, il y a un seul fichier, c'est l'État qui a le fichier. La personne qui veut travailler dans ce secteur vient prendre le fichier. Il nous donne les données, on capitalise. Et la prochaine personne qui doit travailler dit non, vous ne travaillez plus là-bas, travaillez là-bas.